tournade qui ne passe pas inaperçue dans Paris. Marie-Josée Natt, sous la direction de son mari Michel Drache, tourne actuellement avec Mohamed Chouik l'adaptation du beau et grave roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie. Marie-Josée Natt et Mohamed Chouik, vous tournez tous les trois avec des efforts conjugués, Élise ou la vraie vie. Alors je voudrais d'abord demander au réalisateur si ce n'est pas quelque chose d'un peu inquiétant de tourner un film où il y a ces mots, la vraie vie. Qu'est-ce que c'est la vraie vie, Michel Drache? La vraie vie, pour moi, c'est de faire du cinéma déjà. Oui. Et puis de faire les films que j'aime, ce qui est le cas en ce moment. C'est-à-dire que c'est assez rare. La vraie vie, c'est des moments de sa vie assez rares. Je voudrais demander à Marie-Josée Natt si elle n'éprouve pas la sensation, je ne dis pas de s'être enlaidie pour ce film parce que ça paraît difficile, mais d'avoir emprunté un personnage un peu différent des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis très contente parce que Élise est un personnage merveilleux et j'ai la chance, grâce au roman de Claire Etcherelli, de pouvoir interpréter ce rôle. Je sais que beaucoup de comédiennes rêvaient. Mohamed Chouik, je crois que c'est un de... pas de tout à fait vos premiers films français. C'est mon premier film français. En réalité, j'ai fait d'autres films, mais c'est pas... C'est en Algérie, mais c'est le premier film que je fais en France, avec Michel. Est-ce que c'est pas un peu une gageure de tourner ici au métro Barbès avec tout ce monde? Vous avez tous l'air absolument calme, très détendu. Moi, je vous admire parce beaucoup. Parce qu'il faut tourner ça comme si on était en studio, c'est pareil. Et puis, je trouve qu'il y a des éléments vivants qui sont formidables et qu'il ne faut pas dédaigner. Je crois qu'il est un peu difficile ici de donner le synopsis du film et le scénario. Je crois qu'on se souvient du roman de Claire Etcherelli de toute manière. Les gens qui l'ont lu et ceux qui ne l'ont pas lu doivent le lire. Et... C'est un roman admirable. Michel Drache, c'est pour quand la sortie de ce film? Ça, j'en sais rien parce que j'ai commencé sans distributeur, je n'en ai pas encore et je ne sais pas du tout quand il sortira. Mais je sais que nous avons beaucoup de plaisir à le faire et qu'on est très heureux de le faire.